quand ça veut pas, ça veut pas. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Vogue la galère. Attendez. C'est Vogue la galère en tout point. La grosse mauvaise nouvelle du week-end, c'est que je voulais tout bêtement mettre à jour mon logiciel de diffusion, là, l'OBS, version spéciale OBS Live de Streamlabs, je crois. Au Streamlabs, pardon, c'est pas tout à fait pareil. Ils ont publié une mise à jour foireuse, ce qui fait que je n'ai plus d'éléments web. Il n'y aura pas les alertes. Je suis revenu dans l'ancien mode pour le chat. Je sais même pas si ça marche. C'est une catastrophe. Attendez. Ça a l'air vraiment d'être la caca. Je suis désolé. Ouais, j'ai l'ancien truc. Et le nouveau, j'ai que quick. Oh là là, c'est une tristesse. Ouais, si je mets juste le chat Wastebot qui était en mode DOS, ça marche plus. Il récupère plus les données depuis l'internet. C'est une mise à jour qui est foireuse. J'espère qu'ils vont corriger leur copie. Bonjour Froboze. Alors je t'avais vu connecté depuis une heure sur mon chat. J'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te revoir. Mais là, ce qui me fait bien suer, c'est que certains éditeurs publient des mises à jour foireuses. Donc, j'aurai pas les fonctionnalités d'habituel. Là, s'il y a un événement, il n'y aura pas l'alerte. Ça fait suer. J'espère que d'ici 15 jours, ça va être corrigé. Puisque le week-end prochain, théoriquement, je suis pas là. Enfin, je vous en reparlerai d'ici là, mais... C'est pénible, hein, ça fait partie des aléas de l'informatique. Bon, revenons à nous. J'espère que tu vas bien, Froboze. Ah, ça fait plaisir de te voir te manifester à nous. Ah là là. Faire un petit peu de Golden Axe. Enfin, si le jeu veut bien réagir. Ah, voilà. Faut peut-être que je demande le focus sur la... sur la fenêtre. Ouais, tu vas bien. C'est cool. Eh bien... Ah là là. Oh, moi, ça va. Une semaine mouvementée. Je pourrais être amené à interrompre brutalement, entre guillemets, mon direct durant le week-end. Mais je vous mettrai la compilation de mes clips pour vous faire patienter. J'ai le dernier tonton qui me reste, qui est malade et qui est surveillé là, à tous les repas. Il est pointé par une infirmière à son domicile. Donc hier, j'ai encore eu un appel d'urgence en disant « Oups, il est pas bien ». Donc voilà. Mais à part ça, ça va, merci. Puis là, c'est le retour des beaux jours, ça fait du bien. Bon, le côté chiant, c'est tempête de sable. Oh, les pluies de sable, burk. C'est vraiment chiant. Enfin bon, à part ça, on est là pour se distraire. Oh, j'ai un bug de calibration de manette. Ah le sort s'acharne contre moi ce week-end. Merdoum. Faut que je calibre ma manette là. Elle fonctionne toute seule, ça va pas. Sans les mains. Oh là là, catastrophe. Attendez voir, je vais chercher dans mon périphérique de jeu, là, je sais plus, si je dis jeu ou je sais pas quoi. Ah, paramètres de la manette. Je me souviens même pas qu'il mettait ça dans Windows. Mais non, qu'est-ce qu'il me raconte? Je veux calibrer ma manette. Ouais, ouais, ouais. Alors attendez, je suis en galère là. Oh, c'est le week-end qui veut pas. Je vais avoir que des emmerdes, je le sens. Souci technique sur souci technique. Ah, quand ça va pas, ça va pas. Bah merde, l'homme. Non, pas supprimer, je calibrer, oh, vous êtes nuls.
Dans quoi je fais ça? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. C'est bien psychédélique, les ICMU. Ah. Oh mon dieu. J'ai mis les clips justement par accident. Ah mais c'est naze. Alors, calibrage, non, étalonné, non, c'est pas ça. Si je tape manette, il me dit quoi? Maintenant, j'ai un périphérique de jeu. Oui, d'accord, j'ai déjà les périphériques. Ah bah, je reviens là, moi. C'est d'un chiant. Alors, veuillez m'excuser, je suis en train de me faire suer dans ma liste des périphériques à retrouver le bon truc et lui demander de me calibrer le bazar. Périphérique, Xbox, machin, clac, clac, clac. Non, et encore, je pourrais même pas le faire là, comme ça. On reste zen. Contrôleur de jeu machin, mais à part le supprimer, j'aimerais le calibrer, c'est pas très malin. Oh là 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 là, fou, je vais devenir fou. C'est ça, Windows. Ah, c'est bien ma veine. Bon, attendez, je vais appuyer sur un truc parce que d'entendre en boucle la musique, ça rend fou. Ouais, non, il veut même pas. Attendez, je zappe le truc parce que... Fais du bien un peu de silence. Oh là là, cette catastrophe. Alors... J'aimerais désespérément calibrer ma manette. Système Windows. Ouais, ou l'on pas nous config, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah là 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 là. Alors, c'est où? Périphérique et imprimante, peut-être. Ah oui. Alors. Pro contrôleur. Paramètres. Ah d'accord, il me l'a mis 50 fois. Alors avancer. Non, c'est pas ça. Bah. Non, d'après lui, il n'y a pas de... Ah, il me met par défaut un axe qui n'existe pas. Puis sur un bouton contrôleur. Ok. Ah oui, alors attendez. Sauf que j'ai peur que ça n'ait rien changé. Tac, 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 tac. Ok. Tac,
J'essaie de faire la procédure à la noix. Mais pourquoi il me fout un... Il devrait pas. C'est ça qui est idiot. Oi, 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 quelle galère. Oh là 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 là. Je suis désolé hein, du triste spectacle. Mais... Oh. Attendez. Là, il se passe quoi, du coup? D'accord. S'en est mort! Il y a un problème? Oh merde! On va désactiver la manette qui finalement fout la mouise. Aïe 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 aïe. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est dingue, pourquoi il me met un axe qui n'existe pas? C'est fou ça. D'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'il me permet pas de désactiver le bestiau. Donc je vais être obligé de l'arracher, entre guillemets. Oh, c'est d'un con. Aïe 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 aïe. Parce que si je dis que par défaut, si c'est lui le premier... Je suis en train de faire ma cuisine de contrôleur, hein. Je suis vraiment navré, mais... Bon, ça, il reconnaît. Si je relance le jeu, c'est toujours la caca. Alors, main menu. Minute papillon, on va y arriver. Bien, je peux même plus sélectionner l'option. Oh là là là. On va revenir au contrôleur par défaut. Tac, 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 tac. Ok. Alors, please select défendre des vases pour signer au. Oh. Il se fout de me poire, lui. Alors, changement de manette de manière désespérée ou désespérante. Oh là 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 là. Ouh. Non mais ça devient rageant hein. Windows après Windows, c'est de plus en plus difficile de faire quelque chose. Et c'est un informaticien de métier qui vous le dit. Alors là, désolé du piètre spectacle. Alors, gestionnaire de périphérique, c'est où que je décapite ma manette qui est très mal reconnue et qui me fait nimpe. Oui, d'accord, c'est même pas indiqué clairement. Oh, c'est nul. Oh là 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 là. Bon, bah, je vais y aller à la main, c'est-à-dire que je vais devoir débrancher boot la manette. Excusez-moi, je vais me déplacer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Aïe 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 aïe. Je défonce bien la webcam en attendant. Aïe aïe aïe, attendez, le petit loquet qui est tombé. Salut. Ah, bonjour Ezer, j'espère que tu vas bien. C'est la grosse galère pour diffuser ce matin. Aïe aïe aïe. Alors j'en étais à...
Je sais même plus. Voilà, ma fenêtre a été là. New game. Je ne perds pas espoir. Ah. Au bout d'un quart d'heure de galère, dites-moi que ça marche. Comment ça, deux joueurs? Mais non, pas deux joueurs. Non, il n'y a pas de joueur. C'est reparti pour un tour. Mais quel abruti! Il m'a interverti les contrôles. Aïe. Je sais pas. Ça a pas l'air de marcher en plus. Oui. Alors. Veuillez sélectionner un préfet des fonds pour le jour 1. J'ai envie de lui répondre non. Nope. Alors. Non, Windows me dit de manière très élégante va te faire voir. C'est bien, j'ai même plus le droit de gérer mes propres périphériques. Aïe. Je sens qu'on va passer sur un jeu PC, mais hors émulation là, parce que c'est la caca. Je ne peux plus rien faire. C'est affolant. Mais non, je veux pas changer de contrôleur pour le jour 1. J'ai droit de jouer à la manette, salopard. C'est inouï ça. Ah oh. Non. Tac. Tac. Est-ce que j'ai le droit d'avoir ma manette? Alors. Ah. Ça va peut-être marcher. Alors, le start, il est là. Et le mode, il est là. Non. Ok. Donc, est-ce que ça accepte de fonctionner? Aïe. Ah non, mais c'est une galère! Alors, j'ai les périphériques en fait, hein, on va dire ironiquement. Et j'ai plus mes interfaces web dans mon habillage. Ça marche plus. Donc je te préviens SDR, je voulais mettre à jour mon logiciel de diffusion Stream Elements d'OBS trafiqué là, qui est vachement bien à la base. Sauf que la mise à jour qu'ils ont publiée est foireuse. Et ça supprime tous les éléments web. Donc j'ai plus d'alerte, j'ai l'ancien chat, j'ai pas celui qui est sous fond bleu en effet DOS. Voilà, rien que le fait de pas avoir d'alerte, ça me bouffe. Alors j'espère qu'ils vont corriger leur copie dans la quinzaine, parce que sinon je suis dans la mouise. Ah non mais... Je me suis battu déjà hier, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui avait changé dans la mise à jour qu'on me proposait. Il y a un truc qui était pas normal. Et bref, j'ai galéré. Le seul point positif... De mon côté, c'est que j'ai continué à programmer mon interface avec mes compteurs là. Bon, j'ai toujours pas mon horloge pour le tableau de mystère, mais ça viendra, on est en chemin. Alors, excusez-moi pour les marrages et les inconvénients techniques, mais là, honnêtement, je me débats comme un beau diable face à l'adversité. Bon, on va peut-être se détendre. C'est pas comme si on était là pour ça. Allez, Zou, je vais essayer de me concentrer et faire un jeu correct. M'en fous, y a pas de chrono, prends ton temps. C'est moche.
Oh là 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 là. Là, il va falloir un petit bout de temps avant de décompresser et de revenir à la normale, parce que... Très agaçant, cette histoire. Je suis en train de remarquer que je peux pas courir. Ah si, mais c'est dur. Ouais, faut que je m'acharne sur le pad, sur la manette. Aïe, 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 aïe. Allez, magie du démon. Merde. Oui, 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 oui. Ah, ils sont chiants. Ah bah. Oui, merci, tu sais, pour le jeu, j'aurai le courage. C'est tout ce qui est soucis de config et les bugs que je vous ai racontés qui sont désespérants. Bonjour, Pop and Repop, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est vraiment vague la galère. Mais comme quoi, hein, de l'importance... Mince, je me trompe de bouton. De l'importance d'avoir une roue de secours. Et heureusement que j'ai pas détruit mes anciens mods au niveau du chat. Parce que... Comme j'ai plus les éléments web jusqu'à je sais pas combien de temps. Bah, c'est pas cool, quoi. Ah là 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 là. Oui, ça va pour ma part. Hein. Merci de poser la question, pas bonne réponse parce que je... Je suis là pour me détendre quand je diffuse le week-end. Mais semaine mouvementée pour moi. Faut que je me vide la tête aujourd'hui et demain, là. J'aurai plaisir d'être en votre compagnie sur mon antenne. C'est une thérapie, croyez-moi. Ça fait un bien fou. Allez, gosse. Aïe, 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 c'est du tout cuit. J'ai suivi pour tes soucis de config avec Streamlabs. Alors bon courage. Oui, merci. Oui, toi aussi, t'es en galère. Tu confirmes, Pomme and Ripop? Ils ont supprimé, ils ont merdé leur mise à jour et ils ont supprimé tous les aimants web. Donc tout ce qui vient de navigateur, donc tout ce qui est Wisebot et vos robots, les intégrations ne fonctionnent plus. Moi c'est ce que j'ai constaté lors de la mise à jour ce week-end. Et le pire c'est qu'il n'y a même pas l'incrémentation du numéro de version du logiciel. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu mais... Ils ont publié vraiment une version vérolée, quoi. Ah là là. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, go, go. Faut toujours bouger dans le jeu là. Ah oui, donc oui, il y en a plusieurs qui sont... Non bah ils vont corriger leur copie, voilà. Alors je pense pas qu'ils le fassent aujourd'hui, mais... Encore que si demain je pouvais retrouver toutes les fonctionnalités, je serais heureux forcément. Mais... Qu'ils fassent vraiment gaffe avant de publier une nouvelle version, parce que ça plante tout le monde. Enfin bon, ça fait partie des jeux de l'informatique. Mais merci à toi, Pomon Ripop, de me témoigner ça, parce que, quelque part, ça me rassure. De me dire que je suis pas le seul dans la galère, que c'est pas moi qui ai fauté, qu'un truc m'est échappé.
Oh là là, je suis mauvais. En même temps, ce qui est moche, c'est que je vous cacherai pas que je suis plus motivé à faire les 2 et 3 que je connais pas, qu'on a découvert le week-end dernier. Alors que l'un, je connais depuis que je suis gamin. Donc là, j'ai presque envie de dire je suis à l'échauffement. Ouais, ils doivent être en repos. Oui, oui, c'est normal aussi. Pam, 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 pam. Attendez, on va trouver un arrangement. Ah non. Merde, je vais passer sur la palissade pour les patater. Avec une sécurité au niveau de la portée, mais non, mon truc est mal calculé. Oh là là, j'utilise déjà un continu alors que je suis au niveau 3. Sur les 8, hein. Oh là 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 là. Non, tu ne passeras pas. Oh, c'est du tout cuit. Oui, Yoshi a bien changé, ouais. Oh mon dieu. Merde. M'en fous. Magie du démon. On peut remarquer les excellentes compos musicales en fait de la saga. Surtout dans le 2, je trouve que les musiques sont magnifiques. On les écoutera tout à l'heure, donc. Je vais enchaîner les 3 opus. Très bien. Très bien. Ah merde, c'est lui qui m'a eu. Ah, et j'ai pas le temps de me barrer. Aïe 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 aïe. Voilà, lui monte dedans, c'est la fête. Il est dur hein, le jeu, sans déconner. Je me demande encore comment je faisais quand j'étais ado. J'avais des meilleurs réflexes. Enfin, j'y jouais presque tous les week-ends en même temps. Donc j'avais de l'entraînement un peu comme un speedrunner. Un acharné. Je me souviens qu'il faut bouger, bouger et bouger. Le fait d'être immobile est synonyme de mort. Oh merde! Oh là là! Quand il refuse mon coup. Alors que sur le dessin, on voit que je suis à portée, quoi. C'est deg. Vengeance! Ah, c'est très bien. Alors lui, j'avais remarqué le chevalier, corps à corps, quand je lui colle, il supporte pas. C'est comme ça qu'il faut l'avoir. C'est juste la phase d'approche qui est délicate. Parce qu'il a une portée de salopard avec son épée hyper longue. Voilà. Attends, je te dis juste après, mon cher pomme de Tulipop. Alors, comme j'ai jamais eu de la Mega Drive, je n'ai jamais joué à ce jeu. Qui est excellent, franchement. Dur, exigeant, mais... J'aime beaucoup. Aïe aïe aïe.
Merdoum, je suis trompé de touche. Mais je crois que j'ai pas attribué les bonnes touches d'ailleurs. Faudra que je corrige entre le jeu là et le suivant parce que c'est pas mes touches habituelles, ça m'aide en rien. Oula. Oulalalalalalalala. Ah! C'est rageant quand l'autre te casse dans ton rythme. Oh là là! Alors, les squelettes, je les déteste. C'est honnêtement, ça va être les pires ennemis du jeu. En dehors des boss, évidemment. Je suis tombé sur un os. Voilà, à l'usure. Très bien. Merci. Bonjour, Twinsen. Oui, l'objet déjà fait en plus. C'est un jeu de mots que j'ai fait qui devient récurrent chez moi. Il faudra que je renouvelle un peu mes vannes. Oh là 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 là, je joue désabusé. Oh là là, bang bang, je suis en train de me faire laminer. Oh, ah, j'en ai eu un. Évidemment, l'autre m'échappe. C'est dommage, alors que j'étais en train d'en patater un et de l'avoir isolé. Encore là, lui. Ah. C'est offert par la maison. Et voilà, c'est sûr. Un continu. Allez, hop. Je suis déjà bugé. Je suis mauvais. Alors ça aussi c'est une bonne technique de se bloquer dans le décor en exploitant la carte à fond, en montant tout en haut. Ouais, petit cri. Oh là là, deuxième service, et puis ils sont trois, c'est bien vicieux. Allez hop, je passe en mode saut déchaîné là. Et comme ça que je les aurai, c'est à l'usure. Le saut ne m'a pas été accordé. Alors que j'ai joyeusement appuyé sur la touche, mais il y a un délai de récupération avant qu'il fasse appel à son pied d'appel, comme on dit en gymnastique. Bon. Oh, il m'a refusé le premier coup. Bon, bon, comment on leur rentre dedans les peaux? Allez, je boum. Merde, je suis nappe. Ah, je vais le louper. Il va se barrer. Il en a encore? Oh, merveilleux.
Ah, à dos d'aigle. Ah, les patounes, mon dieu, quelle horreur. D'ailleurs, ah ouais, ils sont là-bas. Oh mon dieu, le défi des patounes, je le pose. Oh mon dieu, je dois donc jouer avec les patounes. Ça va être un cauchemar. Alors, c'est comme d'hab, c'est... Parce qu'en fait, comme il y a quatre petits coussinets, j'ai envie de dire comme tout félin qui se respecte, le problème, c'est qu'il faut que je place mes doigts comme il faut, déjà pour pas me faire mal aux pattes, mais en plus que j'ai un semblant de contrôle, en fait. Oui, je... même instinctivement, j'ai du mal. Ah, oh mon dieu, ce défi est terrible. Attendez. Ouais, ça devrait le faire. Donc voilà, je suis équipé des patounes. Je vais reprendre la manette. Ah. Et je vais essayer de continuer. Ça va être un cauchemar, je vous préviens. Ça va être un massacre. Ça va être un gros massacre. C'est bien les squelettes qui se suicident. Ça aide. Attention. C'est l'enfer. Je sais même pas en fait quelle touche j'appuie. Et puis elle, elle me... Hein? Voilà. Ouh! Laisse-moi t'allumer, vilain. Alors j'appuie comme un malade, évidemment. Ils ont fini par m'avoir. Oh l'enfer. Je peux plus rien faire. C'est horrible! Au secours! Alors... Ça craint du boudin! Ah, pour faire le saut et le coup, vas-y! Oh là là, il y a encore des petits larbins. Je pensais que j'avais les deux chevaliers roses là déjà, mais non, même pas. Quoi ? Merci, le jeu qui me refuse mon attaque. Mais on connaît le jeu qui est abject à ce niveau-là et qui donne l'avantage à l'ennemi, pas au joueur. Ce qui fait que ce jeu est bien difficile. D'ailleurs, j'avais le sentiment que la donne changeait dans le 2. Second opus, quand je l'ai découvert le week-end dernier, ça m'a fait... bizarre, plaisir, merci, cousin. Yop, oh là là, merci de ton abonnement. Alors, en espérant que cette fois-ci, c'est marché de ton côté, vu la galère que tu as traversée. Ils sont dans une combinaison, les deux, là, je peux rien faire. J'essaie d'en avoir un au corps à corps. Voilà, je l'ai frappé une fois, c'est nul. Ah non, mais... L'enfer. Voilà, j'ai pas le temps de faire mon ensemble d'attaques, l'autre m'a rattrapé. Et me met une correction. Et bon, on va vite passer sur le deuxième opus, je vous le dis, moi. Allez, game over, c'est ça? Oui, voilà, j'ai plus de contenu. Ouais! Ah! Aïe, 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 aïe. Oh, bah, j'ai la plus mauvaise note. Non? D? Ah, je le trouve presque indulgent, dis donc. Mazette. Bon, allez, on va passer sur le 2. Le 2 et le 3, je serai plus motivé parce que il y a la découverte, en fait. Alors, attendez. On peut sauvegarder le slot. Alors, déjà, le jeu, le Golden Axe 2. Ensuite, je vais le déclarer pour la plateforme.
Donc je le rappelle, week-end galère, je n'ai plus tout ce qui est en lien avec le web, je n'ai plus d'alerte, j'ai mon ancien chat, c'est la caca. Et je pense que ça va être comme ça tout le week-end, je pense pas qu'ils vont publier un correctif quand on discutait avec Pop and Repop dans les prochaines heures malheureusement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, que je déclare dans Twitch. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Hop là, hop là. Golden Axe 2. Ça fait plaisir. Il m'a sucré le truc alors que je lui ai rien demandé. Voilà. Ah, la classe. Oui, la barre des tâches, j'aurais apprécié la cacher. Attendez, toujours au-dessus. Oui, je préfère. Hop là. Donc, je remets les patounes. Ah. Oh, tu parles qu'il a l'air facile, le jeu. Ah oui, j'avais dit que changer les touches parce que je devenais taré, là. Attendez. C'est reparti pour un tour. Option. Attendez. C'était quoi? Oui, c'était l'huile de... Ah. Si je fais ça. Ah non, le 2, c'est celui-là. Celui-là, c'est le 0. Ok. Alors. Tac. Ça va pas. On recommence. Tac, 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 tac. 4, 5, 6, 1. Ok. Normalement, je devrais être bien. Voilà. Codant le jeu, ouais. Ouais, oh, c'est la mode des... Qu'on appelle ça? Des jeux médiévaux magiques. Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est loin d'être mon genre favori. Moi, j'aime bien tout ce qui est post-apocalyptique, zombie et... à la Deus Ex, à Cyberpunk là. Ah, essayons une nouvelle partie en grosse galère. Oui, je vais peut-être démarrer en easy et puis après je referai en normal. Allez, j'ai droit en échauffement, mince. Allez, le nain. Monsieur le nain. Ok. Alors là, voilà. Oui, je donnais un coup là, non? Non, là je fais de la magie. Mince, j'appuie sur le mauvais bouton. En même temps, on découvre l'attaque du magique du nain. Ah oui, c'est le bouton là, ok. Bah, ça me va mieux déjà comme attribution de touche. Youboudou. Oh, la musique est magnifique. J'aime bien leur... Oh merde. Ouais, on voit quand Easy tombe comme des feuilles mortes. Ouais, je referai une partie en normal. Hein. Mais c'est sympa pour l'entraînement. Ouh la vache. Magie! Bah. J'aime bien comment il plante son sa hache au sol.
Trop stylé. Oh, le paquet de muscles. La violence. Ah bah, mini-cuit. Bah, honnêtement, ça dépend des musiques de jeux vidéo. Il y en a des plus ou moins réussies, mais là, franchement, dans cette trilogie, je trouve les compos extra. Bon, ça y est, ma... Ouais. Pardon. Je rappelle que je suis à la manette patoune, le gage que m'a infligé Twinsen. C'est terrible. Oh, bonjour monsieur Popon, j'espère que ça va bien. Ah oui, c'est horrible, la scène des villageois tabassés. Si je suis passé cette semaine, Poupon, sur votre chaîne, très cher monsieur Poupon, je suis désolé, je sais plus. Mince, du coup, je suis de la magie, tiens, j'ai fait bêtise, je suis trompé. Parce qu'avec ma semaine folle, là, je sais même plus qui j'ai vu, qui j'ai pas vu. Je suis en retard à mort d'ailleurs, veuillez m'excuser. Dans les correspondances, surtout Discord, j'ai entamé plein de discussions que j'ai pas terminées. Faudra que je fasse ça dans les prochains jours. En tout cas, merci à vous d'être là, ça me fait bien plaisir et puis bien content de pouvoir vous divertir, quoi. Avec mes âneries vidéoludiques. Oula, les petits squelettros sont vicieux. Le Sleepy Hollow, je l'aime bien. Cavalier sans tête. Des petites faucheuses là, hyper chiant. Squelette à la noix là. J'aurais que le chevalier, ce serait facile. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Le Sleepy Hollow, ouais. Avec Johnny Depp. Ah, oh, j'avais espoir que le petit squelette quick. Ça y est, quick. Ah, à nous deux. Et encore. Oh, ils l'ont amélioré dans le 2. Le corps à corps est plus aussi simple. On voit que c'est un char d'assaut sur patte. Parce que le temps qu'il met à se déplacer. Alors, faut surtout pas que je reste sur la même ligne. Sinon, il me dégomme. Oh, le salopard. Il se défend. C'était involontaire de ma part, comme je joue à la manette avec les patounes, là. Mais je me suis mis à courir sur lui, c'était pas mal. Il est totalement involontaire. Oh là là, le sac à points de vie, comme on dit. Dans le milieu vidéoludique. Wouhou! Avec les patounes! Allez, go! Donnez-moi tout ce que vous avez! Ouais.
Merci, mais je sais pas si je mérite les GG là. Je me trouve très moyen. Mince, j'aurais pu reprendre l'attaque. Autant que je me déchaîne avec la magie. Oh! Si lui. Ouais, c'était trop beau de le faire tomber. Ah! Si! Bah, moi aussi! Mais au moins, lui, il réapparaît pas. Voilà. Mais sur la fin du 1, qu'on verra pas avant longtemps parce que je suis mauvais. Mais l'avant-dernier niveau, il est plein de ravins comme ça. Et en fait. Le but du jeu consiste, comme c'est évidemment des ennemis balèzes, bien coriaces, les faire tomber, voilà, quand ils ne suscitent pas d'eux-mêmes, ça fait plaisir. Voilà, comme ça j'ai pas à m'exposer, c'est très bien. Alors, à l'inverse d'un Super Frage, j'ai pas de chrono, donc du coup... je peux patiemment attendre que l'ennemi parte à la faute. Oula, le comité d'accueil. Cette musique pesante. L'intro à l'extra. Bon, les trois frères lézards là, quick. Oh là 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 là. J'aime bien la grotte, elle a la forme d'une gueule d'un monstre avec les dents. Je présume que c'est délibéré, mais c'est extra. Ah. Ouh, du balai. Ah là là. Et ce qui est classe, c'est que dans le 3, on a le choix du chemin. Donc je ferai sûrement des choix que j'ai pas fait le week-end dernier. God of War du siècle dernier. Ouais. Ah là là. Moi, ce que je dis dans ce niveau, c'est qu'ils ont la chance d'avoir le chauffage offert. Allez, on se fait plaisir. J'ai de la magie à porter. Oh.
Ah oui, forcément. Ouais, chauffage en fer. Ah, il est pas mort l'autre. Oh là 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 là. Non, 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 j'aimerais bien qu'il soit immortel. Mais il n'y aurait plus de jeu en fait, il n'y aurait plus de défi. Non mais là je joue en plus en facile mais avec les patounes, le défi Twitzen. Mais je vais refaire une partie en normal sans les patounes. Ouais. Ouais, le coup du gaz russe. Alors là, avec le maudit Poutine. Quelle époque. Oui, alors là, la butée me sert bien. Diviser pour mieux régner. Mince. J'avais espoir que l'autre soit mort. Fâché, coriace. Ah. Mince. Je suis trompé de touche. Oh, le con. Le gâchis de magie. C'était un effet patoun. Allez, petit peu de magie. Non, 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 non. J'ai même pas pu frapper la joie. Merde, je suis pas parvenu à me décaler à temps. Dommage. Ah, parce que le problème, voilà, en arrivant à droite, ça déclenche le restant de la cavalcade. Ce qui fait pas du tout mon affaire. Oh là là. Magie. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Et tombe en amiante, ouais. Vive le sol. Oui, alors petite précision par rapport au programme. Ce week-end, il y a Bombastos qui peut remettre le week-end. Et une fois n'est pas coutume, je fais un relais de chaîne cet après-midi vers 18h à Bombastos parce qu'il va proposer des jeux en collectif comme le Gartic Show. Et je vous cache pas que ça me fera plaisir d'y jouer en tant que candidat et pas en tant que dessinateur. Et ça me permettra de souffler un peu, moi. Quitte à ce que je joue, moi, les prolongations demain jusqu'à dimanche soir, on verra. Au lieu d'arrêter à dimanche 18h, je pourrais me le permettre. Donc. Oh là là! Comment qu'il m'a jeté comme un caca! Ce mépris! Allez, magie! Magie, magie! Vous allez manger des boulets aujourd'hui! Oula! Ah, j'ai loupé ma frappe! C'est dur de faire les enchaînements à la patoune! Dur, dur, dur. Aïe. J'ai dégusté sa masse d'armes. Je suis toujours avec les patounes. Oula, ils sont nombreux, les sagouins, là. Allez, c'est la fête. Oui.
La 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 la. Ah, le château. Dans le château de la chanson de Paul Naref, que j'aime beaucoup d'ailleurs. La chanson, Paul Naref, pas spécialement. Dans le château de Laz, Lord et Lady de Laz, Gigadi Beda. Oh la vache, c'est un bon rythme. Entre deux zigotons. C'est cool, mais pour le garder, c'est très dur. Surtout qu'il y a la notion de distance à respecter. Merci pour le mini GG. Mon dieu, il m'a allumé lui. Alors, est-ce qu'il y a des clopeurs? Voilà du feu. Bon, allez hop, magie. Je vais les calmer avec un petit éboulement. Merci. Salopard. Je me suis pas tourné du bon côté. Magie du démon. Yeah. D'ailleurs, tu es comme moi, tu as un peu la même coiffure que Paul Naref. Oui, je pourrais mettre ma perruque de blond, tiens. Oui, je crois le mariole, j'y ai pas pensé ce matin, mais cet après-midi, je me représenterai à vous en déguisé. C'est toujours marrant. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vois pas Olive qui tue, j'espère qu'elle va bien. Je crains qu'elle ait fait sa reprise aujourd'hui, au niveau boulot. Ou alors elle s'est exilée, elle profite du beau temps, ce que je lui souhaite. C'est vrai que je suis tellement habitué à voir Olive qui tue le samedi matin. En engageant qu'elle puisse encore être en congé. Ah là là, on embrasse Olive qui tue, qui est adorable. Avec son magnifique félin de salon qui est minette. Comment ça, steak? Bah alors, Popon, on veut s'en payer une bonne tranche? Eh bien. Poulette, ouais. Alors, j'attends qu'il revienne un peu au centre de l'écran, lui, que je puisse le maîtriser. Alors, j'aime bien voir le chevalier en rose, parce que, comme j'aime le rappeler, au Moyen-Âge, le rose était une couleur virile. Et je me demande d'ailleurs comment dans l'histoire, ça a été rattribué à la gente féminine, le rose. Je sais pas comment on en est arrivé là. Éclat fouti. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas ce que je vais me faire à midi, moi. Je vais peut-être me faire des croque-monsieur. Je pourrais me faire des Caleloni en gratin. Voilà, c'était le mode facile. Mais je suis allé au bout du mode facile avec les patounes. Que je vais maintenant retirer, parce que je vous cache pas, je commence à avoir les mains très chaudes. Alors, maintenant je vais faire une partie. Bon, j'ai la pire note. Oui, il faut demander à Jamie pourquoi le rose, ouais. Oh, merci. J'ai envie de dire, c'est pas mérité. Allez, en normal. Clac, 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 clac. Ok. Alors, normal. Je vais essayer d'incarner la madame ou le monsieur.
Parce que la madame, elle a de la magie, mais elle en a un peu trop, j'ai envie de dire. C'est avec le monsieur. C'est un bon intermédiaire, je crois. Mince, je commence par la magie par accident. Alors, que je mémorise. Ça, c'est le coup et ça, c'est le saut. D'accord. Allez. Bon, ok, je retire alors. Non, non, honnêtement, j'aurais pu bien mieux jouer. Voilà, d'ailleurs, je commence à être à nouveau brouillon là. Oh, mince. Aïe, aïe, aïe. Le tissu plaisir. La musique est magnifique. Je me débarrasse de tout ce peuple là. L'envolé du boss. Bon. Évidemment, le dernier, j'ai pas réussi. Ah, à nous deux. Oh, c'est scandaleux. Comment qui m'a soulevé? Moi aussi je fais pareil. Par-dessus la troisième corde. Bon, dans les bonnes nouvelles techniques, par contre, je vous en ai pas encore parlé, mais il y a un truc qui est expérimental en ce moment, depuis quelques jours, sous Icebot. C'est la gestion de ce qu'on appelle du Aircon et du Telnet. Bref, hors jargon technique, ça veut dire que ils ont quasiment un système universel d'interaction entre chat et serveur de jeu. Donc mon projet dont je vous avais parlé, de vous permettre d'interagir, vous cher public, sur mon serveur Minecraft, va se concrétiser plus rapidement que prévu. C'est cool parce que je m'attendais à faire 90% du boulot et Wisebot a fait sa barre de taf. Alors c'est encore expérimental, c'est ça, c'est un prototype, faut faire gaffe. Ils peuvent le retirer quand ils le souhaitent, s'il y a des abus ou une exploitation pour piratage. Ça devient trop dangereux, ils peuvent retirer la fonctionnalité malheureusement. Mais j'espère qu'ils vont la garder. Et je vais essayer de me l'approprier dans la quinzaine. Parce que le fait que vous puissiez utiliser vos points de chaîne pour interagir sur le serveur de Minecraft, ce serait sensationnel. Je vais vous permettre de faire plein de trucs, ça va être génial. Ah, ils sont pénibles. Oh là 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 là. Des mini-boss à eux tout seuls là. Voilà, forcément l'autre me déboîte dans le dos.
tellement drôle et facile. Oh, c'est des mini-boss. Oh là là, et je m'offre à lui. Bougez, 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 bougez. J'ai même pas le temps de me retourner. Oh là là. Oh la vache. Vous avez vu comment il était déchaîné? Affolant. Non, magie. Se débarrasser des larbins d'abord. Mince. C'est comme moi qui m'ont enchaîné à violence. Aïe. Dommage. Mais ils ont combien de points de vie? Ce sont des larbins. Ah. Merci. Un ou deux. Sleepy Hollow là. Oh. Que j'ai soulevé. Je viens de soulever un char d'assaut sur patte. Putain, le mec il est fort. Ah, à plus, monsieur Poupon. Merci d'être venu. Bonne cotisation, bon week-end. Oh, le coup de bouclier qui m'a mis dans la tronche. Et merci tout plein du passage, ça fait toujours super plaisir. Merde, premier continue. Allez, je me bats encore la loyale avant de faire la magie. Merde, j'aurais pas dû revenir sur mes pas. Magie. Les petits tourbillons. Je trouve qu'il est tombé aisément là. Ah. En mode escargot. Ah. Ouf, je bois un coup. J'ai soif. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon, au moins il y a un ennemi à l'écran, c'est pas perdu. C'est terrible, mais cette attaque coursée dans le dos là pour déboîter le joueur, je repense à Arnold Schwarzenegger qui avait été agressé, il était retenu dans son patelin d'enfance en Autriche, et il y a un abruti qui a rien trouvé plus drôle que de lui arriver dans le dos et de lui foutre un énorme coup de pied dans la colonne vertébrale. Enfin bref, nullissime.
Bonjour, comrade. Alors, oui, hello in English, sorry. Comment dire? Emulator on Steam because it's Mega Drive Genesis compilation collection. You welcome, comrade. Zardoum, Borbillum. Oula, oulala, oulali lalou. J'arrive pas. Qui était bonne. Ouh. Donne-moi de la magie. Bonne vie qu'ils ont. Ah bah. Oh, l'autre qui s'est jeté dans le vide. Oh le nigo. Ah Mirdoum. Ah merci. C'est là où on trouve que le 2 est plus indulgent que le premier. Je peux reprendre la main au niveau de l'échange de coups.
Alors que le 1, une fois que c'est lancé, et l'ennemi, je le rappelle, dans le 1, est prioritaire sur le joueur, ce qui est dégueulasse. Bon, là, il commence à me courir sur le cocotier. Oh, excellent. Chakabou. Petit vicieux. Attention, dangereux lézard. T'arrives après la bataille, toi. Salopard. Ah, il me maltraite. Pas mal. Ouais, bon enchaînement. Très bien. Ouh. Like a professional. Oui. Puis ce son bizarre pour le crachat de feu quand même. Allez, comme c'est des hommes lézards, je me fais plaisir, magie. Au moins je les affaiblis bien. Toujours cette prix. Ouh là là. Ah, ils me font pas de cadeaux. Ah. Bah bon courage, c'est du taf, mon cher Twinsen. Encore que je te souhaite de tout cœur pouvoir profiter du beau temps de ton côté. Bah en gros, dis-toi que tu vas louper Twinsen, tu vas louper Tomb Raider 3 chez moi. Parce que voilà, cet après-midi, je vais continuer ma partie avec Lara Croft. Puis tu le prends un peu le début de Fun Fan ce soir. Quand il va continuer Runaway. Ah! Comment qu'il m'a balancé? Oh!
La vache, avec Nathalie Arthaud, oulala. Bon, on va dire que ça change les idées. Oh là là. Eh ben. Comment je vais le stopper dans sa course avec la magie du démon. De toute manière, je vois que sur l'image avec les livres de l'histoire de la magie dans le tableau mystère. Ah oui, je sais même plus quel est mon tableau mystère actuel. On fera le point, oui, en soirée. Ah si, vous avez retrouvé Carmageddon. Je crois que vous avez trouvé le Shoot Flipper, vous avez trouvé Fort Boyard, le jeu, là, le défi, avec les lettres. Il y a le mec dans l'espèce de chambre des années 70, là, avec le papier peint très rétro, on va dire. Et tu m'as dit le livre de magie, je sais même plus, dans mon montage graphique. Mais au pire, je te redonnerai un indice demain, t'en fais pas. Non, là, je suis vraiment déçu d'être privé de mes alertes, en fait, à cause de Stream Elements qui est complètement bugué. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis la grosse magie alors qu'ils sont juste des petits mages. Oh, ils prennent cher les pauvres, comment je les maltraite. Ouais, le Gugus en rouge. Qu'est-ce que ce jeu avait pu faire polémique à l'époque? Il y a de quoi, faut dire. L'idée de faire un score en écrasant les piétons en bagnole. Ah, je me souviendrai toujours de la polémique qu'il avait générée. D'ailleurs, le jeu, j'ai peut-être fait une partie il y a très longtemps, mais sans plus. Pourtant, j'aime bien les jeux de bagnole, mais c'est vrai que le principe m'avait dérangé. L'idée de faire un carnage routier, mais bon. C'est là où s'est arrêté le niveau facile. Alors si j'arrive à aller au-delà de la grande porte, on va découvrir.
Mais... Oh, ils sont chiants d'être en manque gangbang. Oh là 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 là, l'autre qui m'enchaîne. Aïe 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 aïe. Heureusement que j'ai le droit de réponse. Punaise. Petit coriace. Ah. Oh. Double Sleepy Hollow. Oups. Anna! Oh! Gardons du Danube. Toujours la plus mauvaise note. Soupir. Allez, on enchaîne sur le 3. On joue. Attendez. Hop, je sauvegarde. Kick, kick. Le 3 il est où? Alors, ah, Golden Axe Free. Ah oui. Attendez. Alors, attendez. Par deux fois. Merde. Ah oui, j'ai peur. J'ai cru que j'allais saboter mon direct. Ah. 3. Oh, mon pauvre SDR, tu t'es vu éjecter une minute parce que t'as fait en majuscule. Ah oui, c'est son pseudo camarade qui est en majuscule, je crois. Ah oui, oh mon pauvre. Oui, du coup, ça s'est vu comme une agression. Ah oui, je suis désolé, mon pauvre SDR. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est pas une idée fameuse que d'avoir un pseudo en majuscule, quoi. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Normal, hard, non, bah normal. Alors, one players. Oh, je vais faire l'animal. Au royaume des animaux. Alors, wouh. Yeah, le prince des ténèbres est revenu avec la hache en or. Vas-y, brave guerrier. Rappelle-moi mes touches. Oh, ça va griffer. Ah oui, c'est bon. Viens par ici, j'inscrive tes initiales en lettres de sang dans ton dos. C'est ça en plus. Oh, comment qu'il crie de douleur. Viens par ici que je t'écorche vif. Oh, mais c'est merveilleux. J'aime bien ce perso. Oh oui. Oh, magnifique. Cette animation. Oh là là. Oh oui, miaou, m'en parle pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se baisser pour ramasser ici dans le coin. On dirait qu'ils osent pas avancer, les piquetiers. Magnifique. Ouais, des escargots de guerre, ouais. Comme tu dis. Salopard, comment qu'il m'a enchaîné avec sa lance. Il m'a bien eu. Oh, comment je lui ai bouffé la tête alors qu'il était casqué.
Oh! Oh! Cette parade! Magnifique! Bing bang boom! Ah oui! Violence! Ah! C'est le coup du char! Oh! Les gredins, ils m'ont éjecté hors du char. Heureusement que je suis un félin qui peut galoper à mort. Check et boom. Oula. Merdoum. Allez, stoppez-moi la course du char de Bénu. Oh mon dieu. Oh! Ah, les petits gros avec leur casque, j'adore leur croquer la tête. Cette attaque. Mais les animations sont trop bien faites, j'adore. Ils vont tous m'échapper là. Ah. Bah ben voilà, l'autis bar, j'ai rien récupéré. Ah. Oula. Oulala. Alors, les petits pitiés, il faut que je m'en débarrasse vite. Oh le salopard. Comment qu'il m'a enchaîné? Merde, il est chiant lui avec son armure. Oh! Oh! Il m'a mis une correction. C'est scandaleux. Oui. Patate-le. Ah. Allez, pour une fois, je vais prendre ce chemin-là. Voleur! Rendez-moi mes potions. Putain, mais ils sont rapides, ces cons. Mais! Mais! Je vais jamais réussir à... Ah, ah oui, il faut que j'enchaîne là. Tiens, mange. Oh là 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 là. Oui. Ouais, des escargots traceurs. Niveau 2, j'ai envie de dire seulement. Non mais c'est vrai que le jeu est long et bon. Ah, je connais pas du tout ce tableau. Trop bien. Mais tu sais que tu es à croquer. Miam. Du gigot bien frais. Oh! Oh oh oh, l'autre! Il a osé. Cette attaque sumo. Ah oui, le coup de bide, terrible. Terrible. Ah oui! On peut faire une terrible attaque magique. Merde, bah alors. Pourquoi ça a pas marché? Oh là là, je suis gangbangé dans l'angle, ça va pas là. Merci. Oh, ouch, ouch. Comment qu'elle m'a récupéré?
sur notre vache. Je sais pas s'il y a un poulet là-dedans, mais je veux bien. Attends, il y a de la potion. Mais il y a un blocage. Je peux pas péter le tonneau. Ah non, j'ai que de la potion. Bah ils sont deux. Magie. Autant y aller maintenant. Oh! La foudre? Oh oui! Oh la vache. Oh, je les ai mis au courant. Oh! D'accord. Allez, je me fais plaisir avec la magie. Autant que ça serve. Oh, un petit courant électrique. Bzzz. Mais... Ah, merci. Allez, courant électrique. Un monsieur tombe dans un coup. C'est pas le bon sens. Oulala, l'autre sur son bestiau là. Elle m'inspire pas du tout confiance. Allons dans les tréfonds. Quand il se met en garde, j'arrive plus à débloquer mon perso. C'est dingue. Oh, magnifique. Mais les animations sont sans sas. Ils ont fait un boulot remarquable. Oh. Ah bah tiens, j'ai pété le panneau, tiens. Bravo. Oh, comment... Oh, je le maltraite! Oh, cette violence sur nain, c'est scandaleux. Ah, le retour des squelettes. Puis là, c'est des squelettes homme lézard. Pas cool. Mais... Oh. Ouch. On prend soin de lui. Scandaleux. On vient ici. Aïe, ouch. Bon, les magies, tant pis, je perds une fiole. Oh! On dirait, vous savez, les vieux téléviseurs avec la neige là en cathodique là. Oh! Ah, c'est un des persos jouables mais qui a été maudit et qui est dans le mauvais camp et qu'il faut arraisonner en le boxant un peu. Oui, avec le bruit de friture. Ah, c'est là où on se dit qu'on est bien content d'avoir la TNT aujourd'hui. Enfin, pour la technologie, pas pour le contenu. Ça parle mal. Ah. Oh, cette prise de catch. Mais, c'est scandaleux. Mais je vais le... Mais, ah. Mais il me mate complètement. Mais il m'a buté une vie. J'ai rien fait. Oh la vache! Il m'a sucré une vie, j'ai même pas pu lui mettre un coup. Oui! Ce que je disais le week-end dernier, il me faisait penser à Blanca de Street of Rage. Les combattants de rue. Street Fighter, pardon. Oui, j'ai pensé pareil. C'est limite un copier-coller avec sa grosse coupe. Mais merde!
Ah, il est terrible. Là, j'ai l'impression de jouer en duel contre un deuxième joueur. Aïe, 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 aïe. Et voilà, un continue de bouffer. Oi, 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 oi. Il faut que je le coince en haut. Pour essayer de le toucher. Oh la vache. Ça fait aucun cadeau. Ça c'est du boss. Ah j'en bave. Ouais, petit symbole du tigre. Eh bah dis donc. Alors on se dirige vers le bas, niveau 3 je crois. Ouais. Oh, la grotte du cristal. Oh, je sens que le décor va me plaire. Le thème déjà annoncé me plaît. Ah, c'est très bleu, c'est très Michou. Merde, j'ai fait la magie alors que je voulais pas. Je me suis déjà planté de touche, allez hop. Je sais pas s'ils sont tous bossus, mais... Oups. Oh là, oh là, ça griffe à tout va. Ah oui, c'est bien, là j'ai une position idéale. Encore que non, il me touche quand même. Oh merde, ça m'a propulsé dans le vide. Oh le con. Bon, j'ai voulu me dégager de l'ennemi. Alors, que je loupe pas mon saut. Si, j'ai loupé. Non. Voilà. Oui, très drôle. Voilà. Oh, oh, oh. Ça, c'est un truc à péter, ça, non? Ah. Oh! C'était carrément un villageois qui a été pétrifié. Quelle horreur. Il me court sur le haricot. Allez, libérons les villageois. Barre-toi. Pose problème.
C'est bien, ça fait une vie bonus quand je libère autant de villageois. Ah, c'est moche. Un ennemi. Attaque spéciale. Attaque spéciale. Deux fois. Bon. Ah, c'est bien. Déjà, le larbin qui est mort, c'est bon signe. Ça fait plaisir. Il est au bord de l'écran, il a l'avantage, c'est dangereux. Mais en même temps, c'est un peu idiot, j'ai la barre de vie. Enfin bref. Oh, il me gave. Brrr. Vache, comment il m'a paré. Excellent. Oh mon dieu. Ah. Oh bah voilà, il me fait moins comme caca. Ah. Ah. Sale gredin, vilain gredin. Ah, on progresse. Salopard, avec son petit bide là. Monsieur Bedon là. Viens par ici que je te bouffe le bip. Je m'auto-censure. Viens par ici que je te bouffe le... Je sais plus comment on dit. Crognon. Ouais, quand il y en a plus, il y en a encore. Il est en train de m'enchaîner. Du coup, magie pour casser son bon rythme. Merde. J'ai merdé mon approche sur lui. Ah. Oh. Oh! C'est quoi ces horreurs? Attends, ce qu'on est dans Mortal Kombat. Ouh, le boss va m'en faire baver. Je connais pas le bestiola.
Oh là là. Ah. Évidemment, ça fait beaucoup de dégâts. Oh là là, je perds toutes mes vies là. J'avais repris le dessus. Merdome. Oh, remerdome. Bon, magie, il m'énerve. Parce que si c'est pour me bouffer une vie entière sans que je le touche. Oui, c'est ça, Sage Power. Merdome, je me suis mis dans une position de parade blocage dont j'arrive pas à sortir. C'est chiant. Ah là 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 là. Eh ben, ce fut fastidieux. Ouais. Ah, la rue ensanglantée. Oh la vilaine. M'en fous, magie. Oh, le pitié. C'est le piquetier qui nous fait la misère. Je suis déjà abusé. Oh, vilaine fille. Oh.
A.O. Oh non, avec des larbins. Débarrassez-moi des larbins. Oui, l'attaque morsure fait bon pas mal de dégâts. Le problème évidemment de la morsure, c'est d'être immobilisé. Allez, magie. Est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons? Non. Allez, en bas, dans les enfers. Go. Magie! L'autre il aime rentrer dans l'art. Eh ben non! Parade magique! Oh mince, je l'ai fait deux fois. Pourquoi pas? Allez, magie, ramasse vite! Pendant qu'ils sont au sol. Ouais! Oh bah, ça lui a pas empêché de me faire son coup à la noix là. Mais il me court sur le haricot là. Pitié. Bonjour Tixige, j'espère que tu vas bien. Je les sens pas du tout ceux-là. Bah, Golden Axe, j'étais familier du premier. Et comme j'ai la chance d'avoir la trilogie, je fais le 2 et le 3. Là, c'est le troisième. Que je découvre. Hein. Là, j'ai pris un chemin que je connais pas. Donc, c'est très agréable. Ouh, qui sont chiants. Je m'écarte pour être hors de portée. Et ben non, il arrive à me toucher. Le salopard. Oh, qu'il est chiant. Oh, les squelettes. Bonjour, Fun Fan. C'était bienvenu. Alors, une rotangle de Bosnie. Ah, il y a des noms de poissons.
Oula! Oula, vilaine! Oh mon dieu! Ah, je suis balèze! Allez, donc, si à chaque fois on est en ex-écho. Ah bah, elle m'a rendu la monnaie de ma pièce! Il faut attendre un peu pour la pêche. Une minute par essai. Histoire de pas saturer le chat. Merci de votre compréhension. Casser mes griffes. Oh. Ah bah voilà. Ah, oh, je restais volontiers avec un autre perso. Par contre, je vais me rasseoir différemment. Là, je suis en train de prouler dans mon siège. Attention. Comme ça. Voilà. Ouh. Ah bah, je suis pas allé loin. Parce que la première fois que j'avais joué, enthousiaste que j'étais, je suis allé presque à la fin. J'étais sur la tour finale. Alors, ah, j'essaye volontiers un autre perso. Alors, pourquoi pas la fille? Allez. Pff. Blablabla. J'aime bien la l'épée en forme de langue de serpent. Oh, c'est vrai qu'elle fait le feu, elle. Elle pète le feu, la miche. C'est pour ça qu'elle est tout de rouge vêtue. Comment elle enchaîne. Comment je l'ai pataté. Oh là là, la correction que je leur mets. Oh, la vilaine. Non, 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 ça se passera pas comme ça. Alors moi j'ai eu l'animation sur le signal original. Mais pas vous, je sais pas pourquoi. C'est bizarre ça. J'ai bien vu la pluie de météores, mais pas vous. Ouais, rouge comme SDR. Ah, le char. Quand t'es bien positionné, t'arrives à les patater d'entrée de jeu quand ils arrivent, c'est trop bien.
Bon bah tranquille. Là j'ai bien passé la phase là. Ah oui. Ouh, elle me réussit, la demoiselle. Je trouve que je combats vachement mieux. Je sais pas comment vous trouvez, mais... Oh, magnifique! Voilà, là, vous voyez la pluie de météores. Bonne course à toi, Pumpkin Rip-Up. Et bon appétit, Parvance. Merci d'être passé. Allez, hop, on passe par le haut. Oh, mon Dieu. Attendez. Merde, je me trompe de touche. Quoi le faire? Mais... Attends, me faire glisser, déraper, là, je comprends plus. Oh, voilà. Oh yeah. Alors, donc c'est la fin du niveau 1. Ouais, dans un cimetière en gros. Doubou-doubou-dou. Oh. Ce comité d'accueil, salopard. Oh, comment je le démonte, monsieur Piquetier. Allez, barre-toi, le villageois. J'aime pas quand il faut faire un saut. T'es en plein dedans. Mais nul. Ouh, il me gave. Oh. Oh, oh, oh. Cette attaque. Brrr. Allez, va dans le trou, va. Si j'y suis. Ouh, les pitiés qui me gavent. Là, c'est bizarre, vous avez pas eu l'animation de la boule de feu. C'est bizarre. Je la vois sur le signal original. Oh, le mec, il est revenu du précipice avec l'attaque. L'attaque à la magie. N'importe quoi. On va dire encore un ravin, non? Alors, j'ai un petit souci que j'avais pas prêté importance. Pause. En fait, j'ai ma barre des tâches qui est au premier plan. Voilà, toujours au-dessus. Au moins, j'ai la pleine image du jeu et du chat. Ça aide. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas perdu. En même temps, il y a du peuple. Ça va les calmer. Voilà, j'ai libéré de ces liens. Comment je l'ai finement haché. Oh, le gros pâteau, il est mouru. C'est quoi ça? Oh, c'est bon ça. Non. Vilain pitié. Oh, déguste. Oh, comment je les ai projetés les uns sur les autres. Comme dans un jeu de quilles.
trop bien. Allez, t'as du répondant, ma grande. Ouais. Oh oui, c'est ça qui est bon. Oh là là, elle enchaîne trop bien. Mais barrez-vous les villageois. Attention, je l'attends le petit boss. Non, vous êtes trop nombreux là. Oula, ça surcharge la, virtuellement parlant, la Mega Drive en image. J'ai bien fait de faire la magie là parce que les deux petits larpins ont giclé. Oh là là. Nickel. Ça fait plaisir. Oh l'autre. Oh non, en mode taupe. Non mais c'est une blague. Ouais, barre-toi, bah, je veux plus te voir, vilain. Pouvoir boire un coup. Alors mon cher Fun Fan, comment vas-tu? Ce samedi matin, mon pauvre, j'ai loupé ton direct d'hier puisque j'étais en extérieur. Il y a une scène qui m'avait écrit comme quoi vous avez fait Sam et Max en 4 heures chrono. Je crois que je regarde ça en semaine. Ouais, ça va, merci. Bah, à part que je suis agacé par le bug de... pas Streamlabs, l'autre, Stream Elements. Tu remarques que j'ai mon ancien chat, j'ai pas le nouveau sous fond bleu, et j'ai plus d'alerte. En fait, tous les aimants web sont buggés. Donc, à cause de leur mise à jour foireuse, faut attendre qu'ils corrigent leur copie. Et... tant pis, ce sera pour le week-end prochain. Donc, les alertes fonctionnent plus. Ça fait grave suer. Mais c'est indépendant de ma volonté. Oui, 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 l'ami Frobos qu'on a le plaisir de retrouver depuis ce week-end. Ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, Frobos, il faudra que je t'écrive en privé pour te faire mon analyse du jeu que tu m'as offert, qui est les camionneurs américains, là. J'y joue un peu et c'est particulier le code de la route américain. Mais à l'occasion, je te réécrirai. Je suis en retard dans mes correspondances. Même Discord, j'ai des correspondances privées que j'ai commencé, j'ai pas fini. Je dois pisser de la copie envers pas mal de monde. Attends, je me bouge pas. Merde. Alors, je me suis fait avoir comme un bleu. Allez, barrez-vous! Je suis en train de patater vos tortionnaires. Ouch. Ouais, je t'écrirai à l'occasion. Bah, je pense que tu aimes bien quand je t'écris sous Steam. Mais si tu privilégies un autre point de communication, tu me le dis. Bon allez, je m'en débarrasse. Avec la magie du démon. Là pareil, vous voyez pas l'animation, c'est une fois sur deux, c'est bizarre. C'est bizarre. J'abuse. Oh, comment qu'elle m'a tué la vilaine. Là, pareil, vous la voyez à peine l'animation, c'est trop bizarre. Sur Discord, ok. Ok. Oui, merci pour la pub, Fun Fan. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, dans la mise en page, c'est plus facile à lire et à écrire.
Je suis bien d'accord avec toi. Ok. Oulala, les gros bateaux. Voilà. Allez, la suite. Allez, je vais passer par en haut. On va prendre un peu de hauteur. Oula. Ça, c'est cool. Coup de la vie, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Aïe. Je vais commencer à m'enchaîner. Heureusement que j'ai choisi de parvenir à m'en défaire. Oh, on pète les panneaux. Merdoum! Piche patate du mauvais côté. Allez, magie. On a quand même de leur prendre la main. Ouh, boudou boudou. Ils sont en train de me gangbanger. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Le boss? Ah, les frères marteau de Thor. Les frères qui me posent un grand tort. Magie des morts! Petite coup de météore. Que vous ne voyez pas, je sais pas pourquoi. Les mystères de la Mega Drive. Merde, j'étais en mode parage de coups dont j'arrive pas à me défaire. Oh là là là, je vais faire ma magie là parce qu'elles sont... sont malades. Un œil de pan. Oh. Il y a vraiment des noms de poissons bizarres. Un œil de pan. Ah. Ton chat, ton félin de salon. Oh les ninjas. Oh, cette blague. Mais cette blague. Mais vous êtes sérieux les gens? Sable, je sais plus comment on traduit scorch en anglais. Oh, quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert de patater.
Vache, comment qu'il m'a chargé le salopard. Vengeance. C'est compliqué la vie de chat. Oh et oh. Attaque magie du démon. Parce que vous m'avez gavé. Oh, j'ai fini mollé, quelle horreur. J'arrive à lui faire face, bordeloum. Ça faisait parade nuptiale là, j'ai tourné autour sans jamais le toucher. Parce que là, elle me gave. Ils sont en train de me mettre la misère. Ah. Donc, je change de technique de combat. Merci. Oh là, ils sont trop nombreux. Merde. Mauvais enchaînement. C'est bon. Plein de bouffe.
Oula, le boss. Oh! Oula, ça lag! Oh 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 oh! Magie! Je les ai de ma mort, oui c'est ça, les bras zéro. Cherchez le nom. C'est ça SDR, t'as tout compris. Bah, remonte sur l'animal surtout. Est-ce que je peux remonter sur le bestiau? Non, non, j'ai pas le droit. Bon, bah tant pis. Je suis déception. Oh, on va essayer d'en épuiser plus l'un que l'autre, histoire de se retrouver en duel. Enfin, si j'y arrive. Magie, me garde. Non, je peux pas approcher. Je bourrine la manette comme un malade. Je suis en train de me faire mal au pouce. Non mais vous avez vu la parade de l'ennemi? C'est bien ridicule. Allez, magie, me gave. Ah, il y en a un qui est passé. Courage. Allez, revenons au centre de l'écran. Ah, merci. Alors, le gigot, j'apprécie beaucoup. Allez. Mais... Alors... Voilà, ça c'est du saut. Oh. Hop, allez, dans le ravin tout le monde. Merde, c'est même pas ça que je voulais faire.
Bon, au moins c'est pas perdu. Oh, ils sont chiants ceux-là. Ils sont chiants. Hop, continue. Non, je me disais, j'avais pas l'avantage, du coup, je fais l'attaque, c'est magique. Ouais, les escargots de guerre. Moi, ce que j'aime bien, c'est la sculpture. Pince de crabe au fond. Oh non, pas eux. Oh là là là. Qui tombe dans le ravin et qu'on n'en parle plus. Allez, venez dans le ravin. Que je rigole. On pourrait. Sans déconner, je pourrais. C'est dur de faire l'enchaînement courir et blam blam. Du coup je fais de la merde. Pas comme ça. Ouais, je suis en train de perdre toutes mes vies connement. Allez, je vais essayer de me battre à la loyale au lieu de me signer à les faire tomber dans le ravin. Oh la vache. Moi qui m'achetais comme une merde. 5 coups de pied. Ah. Sa petite pensée ce matin. Ça a été dur pour toi, cousin? Je peine à interpréter ton propos. Comment qu'il rentre? Là. Magie là, parce qu'il m'enchaîne. Faut que tu me libères. Faut que je me libère de la remprise. Je ne les supporte point. Oui, 19-3.
Ah! Voilà, il s'est barré. Oh! Ça représente une ville. Ouais, sur un. D'accord, perché. Sur un monolithe. Alors, déjà les larbins squelettes, ils vont me gaver grave. Oui, je les vois venir. Je suis parti pour me faire cerner. C'est bien, j'ai encore une magie. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien. Je commence à dégraissir les rangs. Allez, magie, vous m'avez gavé. Ah, à nous deux. Sympa le décor de fond avec la ville perchée sur le monolithe. Enfin, la Mesa, on va dire. T'as mis des gommes, mais comme un bleu. Alors, plumer le corps à corps, il aime pas. Merde. La portée qu'il a avec sa patte, l'homme griffon, là. Comme ça, il se mange des boules de feu en pleine face. Bien fait pour sa tronche. Oh. Il aime pas quand je suis aérien non plus. Même envie de dire, il aime moins quand je suis aérien. Merde, j'ai perdu une occasion. Salopard. Ah mais redoutable le piaf. Ce boss. Oh merde. J'ai même pas le temps de faire une attaque. Ah. J'appuie sur tous les boutons tellement que je rage. Merde. Ah, j'arrive pas à faire mon enchaînement. Oh là là, salopard. Mais ah, merci. Allez, gang bang, dernier continu. Oh là là. Ah,
vache. Ah, faut le bourriner au corps à corps, c'est une horreur. Ce sera pas si facile la prochaine fois, j'en ai déjà quick bavé. Mais à quoi il joue là? Ah. Oh, c'est dégueulasse. Même pas le temps de ramasser la troisième. Quand tu retournes en ville. Une ville joliment pavée. Mais... Merci pour vos encouragements. Oh, il me gave. Il me gave, il me gouve. Oh! Cette violence. Allez, magie, j'en ai marre. On passe à la suite. J'ai dit j'en ai marre. Merci. Évidemment, j'ai pas éliminé le petit gros. Voilà, que je m'occupe à Miss Merdoum. Miss Massu, la masse d'armes, je cherchais le nom. Il est en train de me foutre une tannée. Oh, mais les casse bonbons, la Miss. Allez, fais ton attaque à la noire. Que je peux pas parer, ça fait plaisir. Bientôt la fin. Oula. Ho ho ho. Évidemment, je ne peux pas attaquer. Ça, venez sur l'animal, comme ça j'ai le temps de vous patater. Mais c'est même pas moi qui ai l'avantage, c'est abject. Qui se pointe. Merde. Allez, la suite. Oui, je voulais venir.
Surtout que je crois que j'ai plus de continu, donc le game over est très proche. Allez, on se fait plaisir. Magie. Au moins, c'est pas perdu. Avec deux chevaliers en plus. Oui, oui, oui. Char d'assaut sur patte. Merde. Non. Digi digi. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qu'il est sur un chandelier là? Les ombres des chandeliers piégés. Oula, ils arrivent par paire désormais, chevalier noir là. Merde, dommage. Merde, il m'a cassé mon rythme. Non, faut pas qu'ils se séparent. Grouper, ça aurait été génial. Je résiste. Oula, ils vont sortir du mur. C'est gros comme une maison. Ils vont reprendre vie. Je peux même pas vous voir en peinture. Allez, venez dans le ravin. C'est ça en plus. Allez, qu'on rigole. Oh. Ah, une petite surprise. Ah ouais. Alors attention, cet après-midi, je céderai l'antenne à 18h exceptionnellement pour Bombastos, puisqu'il va faire un jeu collectif du genre Gartic Show. Et quitte à ce que je joue un peu plus demain, ce sera peut-être pas plus mal. On verra. Mais évidemment, on se retrouve à 21h chez toi, FunFan, ce soir pour l'épisode commenté. Ouh, alors qu'il va être midi. Tiens, je vais vous faire rapidement l'expérimental. Attendez, il y aurait dû y avoir un quatrième opus qui est jamais sorti, que je vais vous faire rapidement, qui dure juste le temps d'un niveau, je crois. Attendez voir. Alors, je peux quitter ça. Minute papillon, parce qu'il faut que je le retrouve. Il est en bas, je crois, non? Attendez, sans catégorie, je crois. C'était Gone and Axed, un prototype effacé, ouais. Je sais même pas si Steam, Stream, Twitch propose le... Ah si! Un prototype, voilà, clac, si si, c'est bien, il le propose. Je vais essayer de vous le diffuser, comment je sais pas. Parce que c'est un plein écran du coup, c'est plus de l'émulation là, c'est du vrai de vrai. Attendez voir, quelle forme ça prend. Je pense qu'il faille mettre ça comme ça,
que je vous dise que je diffuse en capture d'écran. Comme ça. Ouais, ça doit être comme ça. Tac, 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 tac. Attendez-moi. Voilà, pour les 60 ans de Sega, c'était offert sur Steam à l'époque, ça avait pas duré longtemps. Et en fait, c'est un... Malheureusement, c'est quelque chose qui a pas vu le jour. Quand vous avez commencé à prendre le jeu, c'est fort. C'est beau, hein. Ça lag à mort. Ça lag. Ah. Ça lag à mort. Mais c'est pour vous montrer que c'est beau. Ah, je suis bien. Attends, je vais sauter. Non, je peux même pas péter le truc. Ça lag à mort. C'est une frappe vraiment pour la démo. Ça aurait donné un résultat magnifique. Ouais, ça peut être beaucoup. Attendez. Évidemment, j'ai même pas accès au volume. Voilà, au moins je vous aurais présenté un petit peu le jeu. Bon, bah écoutez, merci d'avoir été là.
Oui, je suis désolé du son super fort, je n'avais même pas accès à mon contrôle de volume, mais la technique n'est pas là aujourd'hui, je suis navré. Oui, ce fut court, mais ce fut bon. Mais franchement, le jeu avait un potentiel énorme, quoi. Donc merci tout plein, cousin Romanus Caiutus, pour ton réabonnement. Je vais vous faire un raid chez je sais pas qui, on se retrouve tout à l'heure, peut-être un petit peu avant 14h pour du Tomb Raider 3, voilà. Je veux voir si je travaille un peu dans ma coulisse avant de reprendre l'antenne, on va voir. Alors, chez qui je peux faire un relais de chaîne? Oh, il y a encore personne? Attendez voir. Ah non, il y a personne. Bon, bah tant pis. Bah je coupe là, tant pis. Gros bisous. On se retrouve tout à l'heure, bonne app. Voilà, aux environs de 14h, peut-être un petit peu avant, je pense, vu que je coupe à midi, là, pile. Merci tout plein, bisous, bisous, à tout à l'heure. Et merci aux anonymes qui regardent, ou ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Prenez soin de vous. Bisous tout plein.